Mon mari. Tu as été comme ça pendant toute la journée. Hein? C'est quoi le problème? Je vais bien. Ah, ah. Non. Tu ne vas pas bien. Je te connais très bien. Dis-le-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit que je vais bien. Oh, si tu le dis. Très bien. J'ai apporté ton médicament. Je ne prendrai pas ce truc, je ne le prendrai pas. Pourquoi? Je ne le prendrai pas simplement parce que je ne veux pas le prendre, c'est tout. J'ai eu à prendre ce truc depuis plus de 6 mois maintenant et ça ne marche pas. Alors je vais plus le prendre. Donc c'est ça en fait, je ne veux plus le prendre. Mon chéri, sois patient. Nous aurons un enfant. Juste, prends ton médicament. S'il te plaît, prends-le. Je ne veux pas prendre cette bêtise. Tu vois ce médicament que tu tiens? Aujourd'hui, je le rejette. Je le rejette totalement. Je n'en prendrai plus jamais. C'est terminé tout ça. Je n'en veux plus du tout, je t'assure. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Tu te comportes comme si... Pourquoi est-ce que tu te comportes comme si un serpent t'avait touché? C'est quoi le problème? Ne prétends pas ne pas savoir quel est le problème. Mais... Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Hein? Nous aurons un enfant quand Dieu le voudra. Quand est-ce que ce temps de Dieu arrivera-t-il? Ça fait déjà 10 ans maintenant. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Écoute, Dieu peut faire n'importe quoi, n'importe quoi. Il peut également changer la situation dans laquelle nous sommes. Hein? Ne sois pas aussi dur. Si je ne veux pas que je dorme, je quitterai cette chambre sur le champ. Pas encore. Je ne veux pas aller forniquer dans mes rêves.
Suis-je réellement une femme? Non, je ne le pense pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Vas-y doucement, vas-y doucement. Alebao. Hein? Qui? C'est Alebao. Hey! Hein? Qui? Aleba et son fils. Assieds-toi. Assieds-toi d'abord. Et son fils. Ils ont voulu m'envoyer dans ma tombe. Ouais, oh. Ils m'ont battu correctement. Juste à cause de 2000 naira. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que... Regarde ma tête. Mes reins sont fichus. Je ne pourrai plus les utiliser. Ça va aller, hein? Reste là. Ne bouge pas, je reviens. Ne va nulle part, je reviens maintenant. Timo! Pourrais-je encore utiliser ces reins un jour? Mon Dieu, aide-moi. Pourrais-je encore utiliser ces reins? Hein? Allez, Bao et son fils. Infirmière! Nena! Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, est-ce que Nena est là? Madame, monsieur, y a-t-il un problème? S'il
S'il vous plaît, où est-elle? Où est-elle? Oh, elle est allée à l'hôpital. Hey. Elle n'est pas revenue. Elle était de garde aujourd'hui. Fumo, je suis finie. Quelque chose ne va pas. Mon mari. Mon mari. Mon mari. Mon mari. Elle est là. Hey! Infirmière, viens s'il te plaît. Viens. Tu dois m'aider tout de suite, s'il te plaît. Allons-y. Viens avec moi à la maison. Bonjour, ma tante. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari. Mon mari est mourant. Mon mari est mourant. Que lui arrive-t-il? Il saigne. Comment? Que s'est-il passé? Ah, tu poses trop de questions. Allons à la maison. Ma tante, attends, je prends mon matériel. Attends, attends. Hey! Attends. S'il te plaît, dépêche-toi. Devrais-je venir t'aider à le chercher? Hey, oh. Mario. S'il te plaît, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi. Papa, ne t'inquiète pas, je reviens. Viens, on y va, viens, on y va. Dépêche-toi. Mon Mario, allons-y, dépêche-toi. Hey, c'est par ici. Hey. Je suis désolée. Merci, oh. Aleba, oh, Aleba. Aleba est venue avec son fils. Pour me frapper copieusement, parce que je n'ai pas de fils pour combattre pour moi. Et, infirmière, ce truc me fait vraiment mal. Honnêtement, tu me brises le cœur à chaque fois que tu parles comme ça. Hein? Mais c'est vrai. Infirmière, quand même, regarde ma tête, regarde. Hein? Il voulait vraiment finir avec moi. Je dis la vérité, si j'avais un fils... Ce serait pas pareil. Hein? Je vous assure, ça ne se serait pas passé comme ça. Un combat équitable, ça aurait été un combat équitable. Mais là, ce n'était pas équitable. Ce n'était pas du tout équitable. Ça ne serait pas du tout arrivé. C'est ce que je dis. Oh. Ça ira, monsieur. Ma tante. Mmh? Je reviendrai plus tard dans la journée pour le voir. Et j'apporterai quelques médicaments contre la douleur, pour lui. C'est d'accord. Merci infiniment. De rien, okay. Tata. Alors combien est-ce qu'on doit payer? Ma tante, ne t'inquiète pas, qu'il se rétablisse d'abord. Eh hey. Oui. Merci infiniment. laisse-moi te raccompagner pour okay, ma tante. Merci beaucoup, infirmière. De rien, mon oncle. Merci infiniment, oh. Tu as vraiment essayé. Je t'en suis reconnaissante. Merci. Je voulais juste te demander une petite faveur. J'espère que tu ne me diras pas non. Ma tante, qu'est-ce que c'est? Je dois aller au monastère. Après-demain. Hein? Peux-tu, s'il te plaît, venir de temps en temps pour veiller sur lui? Ma tante, tu n'as pas besoin de me le demander. C'est mon travail. Je le ferai. Je sais. En fait, je m'inquiète à propos de ce qu'il va manger. Étant donné que je voyage, il ne peut pas manger. Il ne sait pas cuisiner. Alors, peux-tu également m'aider à cuisiner pour lui jusqu'à ce que je rentre? Ma tante, tu sais que je ne peux pas te dire non. Je prendrai soin de lui jusqu'à ton retour. Hein? Mm-hmm. Hey! Merci. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse aussi. Bye. Que Dieu te bénisse. Merci. Bye bye, ma tante. D'accord. Bye. D'accord, ma tante. Prends soin de toi, oh. Ah, ah. Et... Désolée, as-tu encore mal à ce niveau? Oui, juste un peu. Désolée, mon oncle. Et qu'en est-il d'ici? Oui, j'ai très mal à cet endroit, s'il te plaît. Désolée. Ça me fait vraiment très mal. Désolée, ça ira. Hein? Ça ira. Je t'apporte ton repas. D'accord? Désolée. Voici ton repas, mon oncle.
Je t'aide à te lever. Désolée. Désolée. Allez, bas. Allez, bas, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Désolée. Oh. Allez, bas, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Désolée. Même ta génération future. Hé. Hey. Oh. Oh. J'ai vraiment très mal au dos. Oh. Hey, allez, bas. Oh. Passe-moi ça ici. Hey. Quand je regarde ça, j'ai l'impression que tu cuisines mieux que ta mère. Et mieux que toutes les autres femmes que j'ai eu à rencontrer. Merci, mon oncle. C'est moi qui devrais te remercier. Quand ma femme va rentrer, je lui dirai à quel point tu as été très gentil envers moi. Hein? C'est rien, mon oncle. Je reviendrai te voir demain à mon retour du travail. Je dois y aller maintenant. Mais laisse-moi au moins t'accompagner jusqu'au portail. Non, non, mon oncle. Ne t'en fais pas. Mange ton repas. Ça ira. J'insiste. Ah, ah. J'insiste. Je crois que c'est la moindre des choses. Hein? Laisse-moi t'accompagner. Le repas peut attendre. Hein? Laisse-moi t'accompagner. Hein? Hey! Mon oncle, arrête donc jamais. Désolé. Désolé. Ah, mes reins, oh. Désolé. Mon oncle, tu vois, ne t'inquiète pas. Ça, c'est vraiment mon plus gros problème. Mes reins. Ça va aller. Hey. Hein? Juste, mange ton repas. Hein? Je reviendrai te voir demain. Hein? Hey. Ok, mon oncle. Bye bye. Hey, comment te remercier pour toute cette gentillesse? Ah, comment était la nuit, mon oncle? Bien, pas mal. Et la douleur des reins? Oui, en fait, j'ai moins mal maintenant parce que je peux à présent tourner mes reins. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. L'eau pour te laver dans la salle de bain. Je t'apporte ton petit déjeuner. Hey. Mini Kini. Madame a parlé Béao. Madame a parlé Béao. Hey. Comme ça, ici, 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 ici. J'espère que ton homme se rend compte que tu as autant de qualités. Je n'ai aucun homme. Hey, aussi tendre qu'une éponge. Sincèrement. Je dois partir. Maintenant. T'ai-je contrarié? Non, mon oncle. Je dois juste m'en aller. Tu es fâché? Oh, non, non, non. Hein? Je ne le suis pas, mon oncle. Je ne le suis pas. Oh. Hey. Ah, ma tante. Né? Bonne arrivée. Hey. Comment tu vas? Dina, je vais Dina. Bien. Bienvenue. Merci. Dina, Dina. Tu es de retour. Je peux voir que tu vas bien maintenant. C'est grâce à cette jeune fille, je t'assure. Elle a vraiment bien pris soin de moi. Remercie-la pour moi. Elle est en fait incroyable. C'est vrai ça? Oui. Né. Ma tante. Merci infiniment. Oh, mon Dieu va te bénir. Amen. Ma tante, je dois m'en aller maintenant. Ok, sans problème. Sans problème. Ok, ma tante. Bye. Viens une minute. S'il te plaît, regarde. Je vois des boutons sur mon corps. Hein? Je l'ai constaté ce matin. Regarde. Sur mon cou et même sur mon dos.
Je t'apporterai des anti-inflammatoires quand je viendrai demain. Pour le moment, je dois y aller. Sans problème. Ok, merci, ma tante. Oh, mes salutations à ton père. D'accord, ma tante. À demain. Tu prends soin de toi. Dina, Dina, bienvenue. Je t'ai vue assis très près d'elle. Et l'a regardée comme si elle était ton amoureuse. Quoi? Dis-moi, tu l'as touchée? Ekounana. Hey! Pourquoi est-ce que je demande? Tu l'as touchée. Tu l'as touchée. Je l'ai vue dans ses yeux. Parce que les yeux ne mentent pas. Arrête d'assis assez. En fait, depuis le portail, je l'ai senti. Je t'ai vu la regarder comme si tu voulais la manger. Hey, Dina, Dina. Si tu es revenue ici pour me crier dessus, je t'assure que je n'ai pas ton temps maintenant. Tu auras mon temps. Je n'ai vraiment pas le temps. Tu auras mon temps. Tu n'as pas honte. Tu auras mon temps. Je lui ai demandé de venir ici pour aider et cuisiner. Je ne lui ai pas demandé de venir te séduire. Je n'ai même pas ton temps. Excuse-moi. Je n'ai pas ton temps. Mon mari. Hein? Hmm? Pourquoi est-ce que tu boudes? Ça ne te va pas du tout. Hein? Je suis désolée. Désolée. Hmm? J'étais seulement jalouse. Hein? Tu sais que je t'aime tellement. Et la simple idée que tu puisses regarder une autre femme. Hi, Mbano. Hi, Mbano. Non, 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 non. Hein? Dis quelque chose, non? Dis quelque chose. Cette tête ne te va pas haut. Laisse-moi te le dire. Je ne sais pas qui t'a trompé. Cette tête ne te va pas du tout. Hein? Dis quelque chose. Alors, comment était le programme? Maintenant, tu parles. Ce programme. Ce programme était super. Est-ce que j'ai dit super? Non. Tu aurais dû voir ce qui s'y passait. Des miracles de partout. Des témoignages de partout. En fait, des femmes qui ont été stériles pendant 10 ans, 20 ans et même 30 ans sont arrivées là-bas avec des triplés, des jumeaux, des quadruplés, des quintuplés. Des témoignages de partout. Tu aurais dû voir. Hey! Eh wow! Incroyable. Plus qu'incroyable. En fait, moi, Mi, à la même période l'année prochaine, je retournerai là-bas avec mon propre enfant. Hey! Et j'appellerai l'enfant Miracle. J'admire ta foi. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Ne perds pas la foi. Oui. Ne perds pas la foi. Très bientôt, notre Dieu se souviendra de nous. Ça, c'est si. Il ne l'a pas encore fait. Hey! Parce que le genre de vibration, le genre de pleurs, le genre de prière que j'ai fait pendant ce programme, même s'il est sourd, il a entendu. Il m'a entendu. Hey! Pas moyen qu'il n'ait pas entendu. Je l'espère. Il y a à manger dans la cuisine. Cette fille, Nena, elle a cuisiné le au foie à peau avec du riz. Eh wow. Donc tu peux aller te régaler. Cette fille est gentille, oh. Hey, oh. Je t'assure. Et il y a Chai. Je ne sais même pas comment remercier cette fille. De toute façon, Dieu la bénira. Dieu va la bénir. Mon estomac gargouille. Vas-y, il y a à manger. Il y a à manger. Je vais aller manger avant que je ne tombe. Ah. Thank you.
Dina. Les inquiétudes ne vont que t'aider à occuper ton temps. Mais ne t'aideront en rien. Je t'ai demandé d'arrêter de pleurer. Il y a encore espoir. Je ne pense pas. Je l'ai perdu. J'ai perdu tout espoir. Nous devons faire quelque chose. Pourquoi ne pas adopter un enfant? Oh, papa, sou. Oh, ouza. Tiens, il a l'homme ou adopter au mot remé. Mbano. Je ne peux jamais accepter d'adopter un enfant. Jamais. Dans ce cas, tu devras te trouver une femme. Dina, qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne fait que 3 mois. 3 mois exactement que tu es rentré du monastère. Pourquoi ne pas attendre le temps de Dieu? Je suis fatiguée. Je ne peux plus attendre. Je suis fatiguée. C'est trop. Je n'en peux plus. Attendre et attendre. Pendant combien de temps? Je suis fatiguée. Je n'en peux plus. C'est bon. Qu'est-ce que nous allons faire? Hein? Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux que j'attende encore? Oh. Cette situation me tue. Je ne peux plus attendre. Seigneur, pourquoi? J'ai déjà attendu tellement longtemps. Je n'en peux plus. Je n'en peux vraiment plus. Seigneur, pourquoi? Dina. Pourquoi? Dina. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Est-ce que tu as envie de pleurer jusqu'à ce que tu meurs? Hein? J'ai dit que je voulais que tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Va-t'en et laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Pourquoi toutes ces larmes? Pourquoi toutes ces larmes, Seigneur? Oh, Seigneur. Pourquoi toutes ces larmes? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ma tante, bonjour. Est-ce que tout va bien? Ah ah.
Est-ce qu'elle va bien? Prends juste une femme. Trouve-toi une autre femme. Je ne veux pas devoir te le redire. Tu dois certainement plaisanter. Plaisanter? Lorsque tu rentreras un jour et tu trouveras que j'ai mis fin à mes jours, alors là, tu comprendras que je suis sérieuse. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Ne compte même pas là-dessus. Je peux faire n'importe quoi maintenant. Je peux faire n'importe quoi maintenant. Il ne faut juste pas laisser mon sang être sur ta conscience. Tu sais, la polygamie n'est pas du tout facile. Veux-tu vraiment entrer dans la polygamie? Trouve-toi juste une femme. Prends une autre femme. Les années ne t'attendent pas. Et tu as besoin d'une femme pour te donner un enfant. Tu as besoin d'un enfant. Ah, ok. Ok, nous en parlerons plus tard. Non. Parlons de ça maintenant. Ou alors, tu penses toujours que je ne suis pas sérieuse? Hein? Mais, est-ce que je devrais aller dehors et prendre n'importe quelle femme? Je n'ai vraiment personne en tête pour le moment. Je n'ai personne en tête. Épouse Nena. Papa? Pourquoi ne prends-tu pas place? Ah, je ne l'avais pas vu. Merci, papa. Je vais à l'église pour une réunion. Oh. Elle sera bientôt de retour. D'accord, papa. Merci beaucoup, papa. De rien. Seigneur, je ne pense pas que ce soit la chose à faire. Je ne pense pas. Hi. Oh. Bonsoir. Je sors justement de chez toi. Je t'attendais là-bas. Ma tante, j'espère qu'il n'y a aucun problème. Pas vraiment. Je ne sais pas exactement comment dire cela, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. Ma tante, tu sais que je peux faire n'importe quoi pour toi. Dis-moi, ne t'inquiète pas. Ok. Dans ce cas, pouvons-nous aller chez ton père pour parler? Bien sûr, allons-y. Née, honnêtement, je ne sais vraiment pas comment te le dire. Ma bouche est vraiment lourde. C'est très difficile pour moi de le dire. Ma tante, tu sais que tu peux tout me dire. Dis-le-moi. C'est à propos de mon mari. Qui a-t-il? Est-il encore malade? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais, tous les deux, nous souffrons d'une chose avec laquelle je sais que tu pourrais nous aider. Et qu'est-ce que c'est? C'est le rachis? Non. Rappelle-toi que tu as dit que tu ferais n'importe quoi pour moi.
Alors, s'il te plaît, ne refuse pas cette proposition. Ma tante, s'il te plaît, dis-le. Hein? Vas-y, dis-le. Je n'arrive pas à donner un enfant à mon mari. Et tu veux que je... Oui. Oui. S'il te plaît, ne dis pas non. Oh. Ah, ma tante, ça c'est difficile. Ah. Hein? C'est difficile. Ma tante, c'est... J'ai déjà pris ma décision. Que je mettrai fin à mes jours si tu refuses. Et j'y mettrai fin juste ici. Je mettrai fin à mes jours ici si tu me dis non. Ici en bas ou un homme. Si tu dis non, je mourrai. Si tu dis non, je mettrai fin à mes jours ici. C'est définitif. Je mourrai. Je mourrai. Nina, tu fais cette tête depuis ton arrivée ce matin. Mary, je ne sais pas si je devrais le faire. Mais je pensais que tu les aimais. Alors cet amour devrait te motiver. Merci. Il n'y a pas de quoi. Merci. Merci beaucoup. De rien. Remets-toi donc au travail, s'il te plaît. Hey, honnêtement, je dois te remercier pour m'avoir accepté. Sois la bienvenue. Je t'ai déjà dit d'arrêter de me remercier. C'était le destin que je sois ta femme, et je le suis. Et non quoi? Je suis absolument sûre que tous les deux vous parlez de moi. Hey, J'en suis certaine. Hein? Non, j'étais juste en train de lui dire que... J'étais juste en train de lui dire que tu avais l'habitude de m'écrire des lettres d'amour. Et wow, je l'ai dit. Je savais. Je savais qu'il te parlerait de moi. Hey, maintenant tu es en train de parler. Pourquoi ne pas lui dire la vérité? Dis-lui que je ne t'ai jamais écrit aucune lettre. Que c'est toi qui étais toujours en train de m'écrire. Et les seules fois où je lui écrivais... C'est quand je répondais à ces lettres. Hein? Oui, mais tu disais que tu m'aimais. Dis-moi. Hein? J'étais juste en train de te répondre. Quand quelqu'un te dit je t'aime, la moindre des choses, c'est de lui dire je t'aime également, pas vrai? Elle était la plus aimée du village. Bien sûr. Ok. Vu que tu n'arrêtes pas de parler, et tu ne veux pas arrêter de parler, laisse-moi te faire honte. Laisse-moi te dire comment cet homme ici présent avait l'habitude de grimper le cocotier derrière la maison de mon père. Comme un alligator. Il escalade, tiens, comme un singe. Tout ça juste pour me voir. Parce qu'il disait chaque jour que quand il me voyait, sa journée était faite. Hey, demande-lui. Est-ce que je mens? Merci pour tout ceci. Ma tante, merci juste beaucoup. Juste pour dire bienvenue. Merci. Ne t'en fais pas. J'ai cuisiné pour toi. Hey. J'ai très bien cuisiné pour toi. Commencez à manger ceci et je vais vous apporter le meilleur.
Laisse-moi te dire que tu es très chanceuse. Tu es une femme chanceuse. Hein? Dans ma maison, personne n'est étranger. Hein? Si tu veux qu'elle te chouchoute, elle va te chouchouter. Si tu veux le faire toi-même, elle le rendra possible aussi. Hein? C'est comme ça qu'on fonctionne. Hey, mon frère, si tu savais ce qui m'était arrivé, je misais juste celle-ci une cote de 2 sur 5. J'ai complètement perdu. J'ai parié ma nœud. 3.2. Ça fait 4 buts. En avance. Avant que je ne m'en rende compte, bam, tout était perdu. Tous les matchs sur lesquels j'avais parié. Alors j'ai décidé d'aller jouer au foot virtuel. 2 matchs dans le virtuel, j'étais déjà comme David dans la fosse lion. Comme Daniel dans la fosse lion. Écoute, c'était une mauvaise idée. Comment peux-tu jouer au football virtuel? Je voulais juste tenter ma chance. Tu sais très bien à quel point tout ça est risqué. Je voulais juste tenter ma chance. Mais ça me rappelle. Tu m'as dit que Monsieur Okpara devait de l'argent à ton père. Monsieur Okpara, est-ce que ça c'est nouveau? Tout le monde ici est au courant de ça. Il doit à mon père. C'est très simple, tout le monde le sait. A-t-il payé? La question est celle-ci, est-ce qu'il peut payer? Ce que je trouvais plutôt me demander, c'est est-ce qu'il peut payer? Nous savons tous qu'il ne peut pas rembourser à mon père. Donc tu veux dire que Monsieur Okpara doit encore tromper pour t'épouser une deuxième femme? Répète un peu. Qu'est-ce que tu venais dire? Tu es en train de dire que Monsieur Okpara a pris une deuxième épouse? Ah, c'est un mensonge. Ne sois pas celui qui répand des rumeurs. C'est un faux rapporteur. Il ne peut pas, on le sait tous. C'est mon père qui me l'a dit. Que Monsieur Okpara a fait quoi? A épousé une deuxième femme. Tu dois certainement la connaître, Nenna. Une fille sexy avec de grosses fesses. Il a épousé cette fille. Nenna, la jolie fille qui est là. Monsieur Okpara doit de l'argent à mon père et il a épousé Nenna. Comme je te l'ai dit. Non, c'est ce qui s'est passé. Une erreur. Ça doit être une erreur. Une erreur. Je te dis la vérité, tu appelles ça des mensonges? Alors il est capable de payer une dot? Pourtant il est incapable de rembourser la dette de mon père? Viens, suis-moi. Allez, allez, allez. Viens, suis-moi. Où est-ce que tu m'amènes encore? Viens. Suis-moi seulement. Namdi, où est-ce qu'on va comme ça? Monsieur Okpara. Monsieur Okpara. Attends, Namdi, je veux savoir où est-ce que tu m'amènes. Quel est le problème? Hey! Il y a quel problème? Papa, ouais. Tu m'as dit que M. Okpara te devait encore de l'argent, ouais. N'est-ce pas? Il me doit encore, hein? A-t-il remboursé? Non, il n'a pas payé. Attends. Réfléchis bien. La nuit dernière, est-ce qu'il est venu accidentellement te remettre ton argent? Essaye d'y penser. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes, ce issou? J'ai dit qu'il ne m'a pas remboursé, pas du tout. Je n'ai vu aucun reçu, ni un paiement. Papa, tu voudrais me dire que M. Okpara n'est pas encore venu te remettre ton argent? Ah! Alors tu dois aller appeler le chef. Appelle les anciens et qu'ils commencent à se préparer pour un enterrement. Qu'est-ce qu'il y a? Demande-leur de se préparer rapidement pour un enterrement parce que quelqu'un va mourir. Qui veut tuer qui? J'ai entendu à travers ma source la plus fiable que M. Okpara te doit de l'argent et il s'est permis d'aller épouser une toute nouvelle femme. Hein? Pas une femme ordinaire. Il s'est marié? Il a épousé Nenna, cette fille très jolie et très sensuelle. Nenna? C'est bien elle, voilà celle qu'il est allé épouser. Nenna. Okpara a épousé Nenna. Hey. Okpara est plus gros que le ventre. Attends. Écoute, papa. Il m'a également dit que M. Okpara a pris tout ton argent et l'a changé en de petites coupures, de très très petites coupures, et est allé payer la dot. Hey. Cette fois-ci, il a dépassé les bornes. Alors il est temps que tu agisses. Mon ami. Hein? Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Je vais bien. Non, je devrais te le dire. Parce que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Tu avais voyagé? J'étais là, juste que j'étais fâchée contre toi. Hé oh, pour quelle raison? Comment se fait-il que ton mari épouse une autre femme et tu ne me le dis pas? Hein? Ça? Écoute, ne te fâche pas. Hein? Tu sais, c'était juste un petit mariage. Un petit mariage, juste quelques personnes. Le truc, c'est que cette fille est... En fait, nous sommes vraiment chanceux de l'avoir. Hey. Nous sommes chanceux. Chanceux comment? Ah, si tu vois comment elle se comporte dans cette maison. Hey, cette fille est vraiment gentille. Avant que je ne me lève le matin, il y a de quoi manger, de l'eau pour se laver. Elle a balayé la cour, elle a balayé l'intérieur, elle a fait les lits. Cette fille est une très bonne fille. Chai. L'a-t-elle prise? Est-elle enceinte? Pas encore. Mais ça arrivera très bientôt. Je veux dire, nous comptons sur Dieu. Regina, tu t'es entendu parler? Tu comptes sur Dieu? Hi! Je pensais que tu étais sage. Hein? Quand te réveilleras-tu de ton sommeil? Quand?
quelqu'un. Ah, écoute, je t'ai dit d'aller coucher avec un autre homme. Écoute-moi. Tu dois coucher avec un autre homme pour tomber enceinte. Parce que c'est évident que ton mari ne peut pas te donner d'enfant. Mais ça c'est de l'infidélité, non? Hey, non. Qu'est-ce que tu appelles infidélité? Laisse-moi te dire que c'est de cette manière que tes voies seront ouvertes pour avoir plus d'enfants. Nous savons que ton mari ne peut pas te donner d'enfant. C'est évident. Ah. Mais pourquoi n'écoutes-tu pas mes conseils? Fais-le avec un autre homme et tombe enceinte. Ah. Écoute mon conseil, ma chère. Makaraja Ibagnanya. Écoute bien mon conseil. Makaola, elle est une très bonne fille. Avant que tu ne t'en rendes compte, elle t'aura frappé. Elle va te frapper. Je ne t'aurais pas conseillé de prendre celle là-haut. Ha! Chanceuse. Lève-toi un peu, s'il te plaît. Je veux encore t'admirer. Je veux être sûr que j'ai fait le meilleur choix. Tu sais, parce que je ne dois pas faire la même erreur une deuxième fois. C'est vraiment mieux d'apprendre des erreurs des autres. Parce que tu ne peux pas résoudre toutes les erreurs. Parce que si j'ai fait une erreur la première fois... Alors c'est vrai. C'est vrai que tu as une nouvelle femme. Tu es incapable de me rembourser mon argent. Mais tu as de l'argent pour épouser une nouvelle femme, Okpara. Je pensais t'avoir dit que c'est ma pension qu'on n'a pas encore payée. Quand ce sera payé, Ferme ta bouche! De quelle bêtise de pension est-ce que tu parles? Okpara, je vais te dire quelque chose. Tu as une semaine pour me rembourser cet argent. Si dans une semaine tu ne rembourses pas mon argent, Okpara, ce qui t'est arrivé la dernière fois, tu sais, sera incomparable. Tu le connais. Il fera bien pire que moi, cette fois. Attends, monsieur Okpara, une question. Lorsque tu es allé chez elle pour payer sa dot, est-ce que tu as dit à ses parents que tu allais revenir payer après avoir reçu ta pension? Bonne question. C'est un... Il ne l'a pas fait. Je peux commencer à te frapper, tu m'entends? Alors tu devrais faire très attention. Je peux commencer à te gifler, tu m'entends? Calme-toi, j'ai dit calme-toi. Okpara. Une semaine. Si cet argent ne sort pas, en une semaine, tu verras. Monsieur. Quoi? Il vous payera. Ferme ta bouche! Regardez-la. Qui t'a introduit dans ce problème? Est-ce comme ça qu'une femme parle? D'accord. Donne-moi cet argent. Paye-moi. Tu ne l'as pas? Alors ferme ta bouche. Laisse-moi user du revers de la main et lui donner une bonne correction. Boucle ta bouche. Okpara. Une semaine. Okpara, une semaine. Papa, est-ce que tu es vraiment d'accord pour une semaine? C'est bon, donnons à cet homme juste trois jours. Trois jours. S'il n'apporte pas cet argent, eh bien qu'on en finisse avec cet homme. Mon fils, calme-toi. Donnons-lui encore une semaine. Je sais que tu ne t'en sortiras pas. Quand t'accordes un an ou un mois, tu n'y arriveras pas. Et je vais revenir définitivement pour te faire la peau. Si tu as des doutes, frappe ici. C'est bon, calme-toi. Laisse-le. Une semaine. Regarde-toi, t'es affamé. T'es affamé. Regarde ce dont tu as faim. Regarde-toi. Papa, viens, allons-nous-en. Ne pleure pas.
Après ça, tu diras à ton mari qu'il oublie cette dette, qu'il me payera plus. Viens. Ah, ma tante. Bonjour. As-tu bien dormi? Oui, j'ai bien dormi.
Attends. Est-ce que tu as commencé à ressentir certains symptômes? Je veux dire, certains signes? Quels signes, ma tante? À qui est-ce que tu demandes? Attends. Donc tu veux me dire que ce n'est pas encore entré? Hein? Ma tante, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu n'es pas encore enceinte? Vu que tu veux que je le crie, vu que tu veux que ça sorte de ma bouche, enfant de la maternelle, tu n'es pas encore enceinte? Hein? Oh ça, ma tante, l'enfant viendra. Un enfant viendra. En effet. Un enfant viendra. Hey! N'importe quoi. Hey! Ma chérie, désolé. Je veux pas te perdre du temps. Je voudrais te parler de quelque chose. Dieu merci que je t'ai rencontré ici. Désolé. Je voudrais juste t'arranger le truc. Mais qu'est-ce que tu fais avec cet homme? Qu'est-ce que tu fais avec O'Para? Hein? Quand des hommes comme nous sont là, dans ce village, pour des gens comme toi, que t'a-t-il dit exactement pour que tu tombes amoureuse de lui? Quoi? Tout ce temps que je te vois à l'hôpital, tu me rends, tu descends, si tu m'avais dit que t'avais besoin d'un mari, je me serais présenté. J'aurais vraiment fait absolument tout pour te mettre à l'aise. Monsieur, je me suis arrêté parce que j'ai cru que tu avais quelque chose à dire. Mais je constate que tu n'as rien à dire. Attends, j'ai pas fini. Ne gaspille pas tout ce matériel que je suis en train de voir sur toi. Ne le gaspille pas. Pourquoi tu gâtes ton avenir avec lui? Il ne peut rien t'offrir, il ne peut rien te donner. Je mettrai cette fille hors de cette maison. Oui. Enfin à la maison. Hey, tu es de retour? Oui, oh. Bienvenue. Hey. Bienvenue. Oh, merci beaucoup. Où est passée Nena? Elle n'est pas encore rentrée du travail. Comment était ton voyage? Bien haut. Mais tu sais, tout a complètement changé. J'ai même failli ne pas reconnaître le bureau des pensions. Yeah, oh. Honnêtement. Je t'assure. S'il te plaît, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Parce que là, je suis vraiment affamé. Le voyage a été très long. Hein? J'ai préparé des lignons pour toi. Hein? Avec du bon poisson. Comme si tu savais. Laisse-moi t'apporter ton repas. C'est bien. Mm. Qu'est-ce que c'est? Mm? Où ça? Là, sur ton cou. Où ça? Quoi? Est-ce que tu as bagarré avec quelqu'un? Non. Peut-être c'est une piqûre d'insecte. Piqûre d'insecte. Ah, mais ça ne ressemble pas à ça. Ça ressemble plutôt à une morsure humaine. Non. Ça ne l'est pas. Laisse-moi aller chercher ton repas. Hey. Insecte. Ok. Très bien. Oh, Guanoria! Nasi, la meilleure! Infirmière, j'ai même failli t'appeler docteur. Tout le monde à qui tu as fait des soins... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, laisse-moi te dire un truc. Je voudrais te dire la vérité. Tu sais, la vérité est amère, mais nous devons trouver le moyen comment l'avaler. Les gens ont peur de dire la vérité, spécialement dans ce monde-ci où nous vivons. Les gens ont peur de dire la vérité, mais moi je vais continuer à dire la vérité. Je voudrais te demander, qu'est-ce que tu fais avec ce vaurien d'O'Para? Pourquoi tu cherches toujours des vieillards? Monsieur O'Para est un vieillard. Il s'enterre et il ne fait que s'enterrer. Quand tu le vois, tu vois la tombe, il est presque mort.
Et tu ne fais que le suivre. Pourquoi est-ce que tu suis toujours des vieillards? Est-ce que c'est bon pour toi? Cherche les mecs de ton âge, enfin de ta génération. Mais toi, tu vas avec Okpara. Il est déjà presque mort, non? Je te dis, viens chez moi. Je suis encore très jeune et je suis encore très doué. Laisse-moi te donner du repos. Hein? C'est si compliqué que ça? L'autre jour, je suis venu chez toi. Est-ce que je m'avais touché le vieillard? Est-ce que je l'ai giflé? Est-ce que je t'ai giflé? Est-ce que je t'ai frappé lorsque j'ai fait la main comme ça? Et j'ai dit, ah! C'était juste pour rire, hein? C'était juste pour animer un peu la galerie. Hein? Quel est ton nom déjà? Namdi. Nakiteleke. Hein? Écoute, je me suis arrêtée ici pour écouter les bêtises que tu avais à dire. Pourtant, j'allais quelque part. Puis-je continuer? Alors, tu n'as rien compris? Je t'ai écouté, mais ça n'avait pas de sens. Vraiment? Ne me stoppe jamais. Je suis une femme mariée. Je suis une femme mariée. Je ne suis plus en train de demander ta main en mariage à nouveau. En fait, trompe-le avec moi. C'est aussi simple que ça. Commence à le tromper avec moi. Non, mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que tu es toujours en train de chercher la vieillard? Ah! Une jeune fille comme toi, tu te gaspilles avec les vieux. Okpara, quel est ce genre de comportement? Viens à l'intérieur avec moi pour que je t'offre une cola. Tu dis que tu veux pas manger de non, cola. Non, ça ira. Okpara, aucun homme sage ne refuse une cola. T'es sûr que tu veux pas venir? Ça ira. Je suis venu ici pour te rendre ton argent. Quel argent? Celui que je te dois. Ah, celui-là. Celui que j'ai oublié il y a longtemps. Oublie ça, j'ai même demandé à ta femme de te dire que... d'oublier ça. Je suis un homme très gentil. Laisse tomber. Merci pour ta patience. Voici ton argent. Je ne veux plus que toi, ou même ton fils, vous approchiez encore de chez moi. C'est maintenant je connais la différence entre la poitrine d'une femme vierge et la poitrine d'une femme stérile. Est-ce que je t'ai manqué? Oui, tu m'as manqué. Mais tu ne me l'as pas dit. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Bien. Lena, donc tu es ici en train de parler d'amour, hein? Le tas d'assiettes qu'il a dehors, qui est censé les laver? Que je les lave? Après avoir mangé, je lave les assiettes pour toi. Tu es folle. Peut-être tu ne le sais pas, tu es folle. Maintenant, lève-toi de là et va laver ces assiettes. Lève-toi de là. Va là dehors, lave ces assiettes, nettoie bien les alentours et balaye la cour. Ah, es-tu aussi sale? Allez, dépêche-toi. Tu vois ta femme? N'importe ça, quoi. Ça, ce n'est pas une façon polie de parler à ta co-épouse. Hein? Co-quoi? Co... Écoute, je n'ai encore vu aucun signe sur son corps. C'est ça qui m'intéresse. Je n'ai encore vu... Je n'ai encore rien vu sur de son corps. De quel signe est-ce que tu parles? Signe de grossesse. N'est-ce pas pour cela qu'on l'a emmené ici? Ou alors on l'a emmené ici pour se coucher sur ta poitrine? Hey! Hein? Les femmes... Je ne vous comprends... Pas du tout. Tu n'apprends même pas de ton expérience. C'est pourquoi Nandanda Kulabo, Anandangalasi, Oma de Guabo, Skeni Desis. Hein? Pourquoi es-tu si dur? Ce que tu racontes. Comment peux-tu être aussi dur? Ce que tu racontes là, c'est ton problème. Écoute, laisse-moi te dire un truc. La seule chose que je sais est que si par mégarde, je tombe enceinte dans cette maison avant elle, Makashineke, elle partira de cette maison. Tape ici. Vas-y, tape. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Tu t'en vas? Sans taper ma main? Ah ah! Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un problème. Mais on dirait maintenant que c'est elle qui a ce problème. Hein? En fait, je pense que c'est elle la femme stérile et pas moi. La seule chose qu'elle sache faire, c'est errer autour de la maison comme un esprit. N'importe quoi. Bien, Nena. Mets-toi dehors. Dehors. Excuse-nous. Qu'est-ce qu'il y a?
Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, je veux me reposer dans la chambre de mon mari. Alors, Nena, lève-toi et sors de là. Elle n'ira nulle part. Pardon? Nena, je parle avec l'eau dans la bouche. Tu n'entends pas ce que je dis? Je veux me reposer ici. Sors de la chambre de mon mari. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Toi, laisse-moi tranquille. Je veux me reposer ici. Sors. Allez, mets-toi dehors. Tu t'imagines? Lève-toi et sors de là. Est-ce que c'est parce que je parle poliment? Allez, dépêche-toi. Ah ah. Tout le temps, tu es en train de errer comme un mauvais esprit. Regina, qu'est-ce qui te prend? Est-ce que ce que tu es en train de faire là est bien? Ah ah. Ce que tu fais là n'est pas bien. Laisse-moi tranquille. Ah ah. Que je lui demande de venir m'aider à faire quelque chose. Ce que elle veut prendre tu es en train de faire là n'est pas bien, Regina. Laisse-moi tranquille. Hein? Où est-ce que tu vas? Quel est son problème? Je suis désolé par rapport à ça, je suis vraiment désolé. Non, je veux savoir quel est son problème. Faut juste l'ignorer. Ah, ignore-la. C'est arrivé jusqu'au niveau où je te parle. Tu me tournes le dos à cause de cette chose. Ma tante, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu veux savoir ce que je tu m'as fait? Je veux savoir. Ok, laisse-moi te dire ce que tu m'as fait. Arrête d'encombrer le lit de mon mari, étant donné que tu ne peux pas nous donner un enfant. Oh, c'est à cause de ça? Oui. Mais je ne suis dans cette maison que depuis 3 mois. Et alors? Ma tante, laisse-moi tranquille. Non. Hey, comment puis-je te laisser tranquille? Comment puis-je te laisser tranquille quand tu ne nous as pas encore donné un enfant? Quelle est la raison de ta venue ici? N'est-ce pas pour nous donner un enfant? Mais non! Tout ce que tu fais, c'est manger, bavarder et ouvrir tes jambes de gauche à droite sans résultat. Regina! Et tu t'attends à ce que Regina, Regina, hey, si tu ne fermes pas tout de suite ce bidet de toilette que tu appelles bouche, hein, je vais finir avec toi. Je t'assure que je vais finir avec toi. Ferme-moi très vite cette bouche puante. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Un combat que je peux gagner? Je ne peux pas appeler mon Dieu à l'aide. Tous les deux, vous verrez. Dans cette maison, vous verrez. Non, mais c'est même quoi cette histoire, hein? Quel genre de femme est-elle? Ah ah, allez, lève-toi. Maintenant. Prends cet argent, va au marché et achète-moi des tomates. J'ai besoin de ça maintenant. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Hein? Ou alors tu es devenue sourde et muette? Ma tante, ne vois-tu pas que je mange encore? Hein? Que la foudre frappe cette longue langue dans ta bouche inutile que tu utilises pour vomir ces bêtises. Es-tu folle? À quoi est-ce que ça te sert de manger dans cette maison? Hein? Donc, parce que tu es en train de manger, tu ne peux pas te lever et aller au marché comme un bon enfant et m'acheter des tomates? Ça ne va pas chez toi? Hein? Mon amour, tu dois faire comprendre à ta femme que je suis une épouse dans cette maison, pas une ménagère. Oui. Non, mais... Regardez-là. Un papillon qui se prend pour un oiseau. Hé hé. Attends. Qu'est-ce que tu penses être dans cette maison? Une épouse. Vu que tu n'arrives pas à nous donner un enfant, tu me serviras de ménagère. Au moins comme ça, tu te rendras ici. Regina, est-ce que tu vas fermer ta bouche? Prends cet argent et va-t'en d'ici tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Non, mais tu es devenue folle. Qu'est-ce que j'entends, hein? Attends. Opara. Oh, donc maintenant, tu élèves la voix contre moi? À cause de cette chose? Hey. Ok. Ok. Oh. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je n'arrive même pas à la reconnaître. Ta fille, oh non, non. Mon mari,
tu fais? Allons nous reposer à l'intérieur. Reposer? Alors que Nina n'est pas encore entrée. Nana. Peut-être qu'elle est allée chez son père. Hein? Allons à l'intérieur nous reposer, s'il te plaît. Je ne le pense pas. Quelque chose ne tourne pas rond. Ah ah. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est un enfant? Ah ah. Elle est capable de retrouver elle-même son chemin. Je veux dire, ce n'est pas un enfant. Allons nous reposer à l'intérieur. Elle reviendra de toute façon. Non, moi je vais aller la chercher. Moi, je vais aller la chercher. Ah ah. Où est-ce qu'elle est passée? Beau-père. Ah. Mon bon fils. Je ne t'attendais pas. Ah, Boutiam. Est-elle ici? Elle est venue ici en colère. Elle ne veut pas retourner chez toi. Parce que ta femme est une épine à son pied. Abu Djabou. Ma femme a soudainement changé. Ma femme a soudainement changé. En une très grosse menteuse. Elle ment encore plus qu'Ananias et Saphira. Tout ce que Nina fait est mauvais. Si en fait ça, Nina ne fait rien du tout qui lui plaise dans cette maison. Je suis très confus, je ne sais même plus quoi faire. Honnêtement, comme tu me vois là, je ne sais plus quoi faire. Tu es l'homme dans cette maison. Tu dois agir comme tel. Ce sont tes femmes. Tu as raison. Mon beau-fils. Sache comment les gérer. Tu as raison. Tu as raison, beau-père. Elle est à l'intérieur. Hein? Oui. D'accord, je vais la voir. Je vais la voir. Et où? Oh. Pourquoi fais-tu cette tête? Y a-t-il quelque chose que tu me caches? Je suis enceinte. Hein? Dis-le que moi aussi que mon frère. Tu es enceinte. Qu'est-ce qui est drôle? Sincèrement. C'est même un peu ridicule. Hein? Comment peux-tu... Arrête. Je suis enceinte de 7 semaines. Biko, Dina, Biko. Arrête de me faire rire. Toi-même, tu sais que c'est impossible. Biko. Qu'est-ce que c'est? Dis-le, Kenny, mais... Ah, ah, Dina. Donc, tu es sérieuse? Shinekemenemas, mais ça, c'est le long et très, très attendu temps de Dieu. S'il te plaît. Shinekeme, Je vais dans ma chambre. Attends. Viens, attends, nous devons le célébrer. Ah, ah, on doit fêter ça. Fêter quoi? Laisse-moi. Tu passes toujours du bon temps avec ta nouvelle femme. Alors, va fêter avec elle. Ah, ah, viens. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Allez, viens, assieds-toi. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Hein? Je veux juste qu'on me laisse seule.
Il n'y a aucun moyen pour que je te laisse seul. Tu as besoin de moi maintenant plus que jamais. Et donc, je ferai tout pour te rendre heureuse maintenant. Ah ah. Je vais te rendre heureuse, je t'assure, je t'assure. Mmh. Oui, quel que soit ce que ça coûtera. Tu feras n'importe quoi pour absolument me rendre heureuse. Absolument tout. Hey, qui l'aurait cru? Ok. Hein? Si tu veux que je sois heureuse, oui, fais-la partir. Qui? Qui d'autre vit avec nous dans cette maison? Fais-la partir. Vu qu'elle ne peut pas nous donner un enfant, laisse-la partir. Ah non, non, Regina, ce que tu me demandes là est un peu injuste. C'est un peu trop injuste. Injuste pour toi? C'est très compliqué, Regina, je t'assure, c'est... Ça serait très injuste, je t'assure. Laisse tomber dis-moi, ça, Regina. Dis-moi, pourquoi est-ce utile qu'elle continue à rester dans cette maison? Hein? Je suis maintenant enceinte. Alors laisse-la partir. Laisse-la partir. Elle ne peut pas nous donner un enfant. Je suis enceinte. Écoute, si tu ne le fais pas, je le ferai moi-même. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Laisse tomber. S'il te plaît, arrête. Ne fais pas ce que tu dis. Vraiment? Tu ne me connais pas. Si tu essaies de m'en empêcher, hein, je vais me débarrasser de cet enfant. Oui, je tuerai cet enfant. Regina, pourquoi fais-tu ça? Pourquoi est-ce que tu fais tout cela? Parce que je suis fatiguée de la polygamie. Je suis fatiguée. Ha! Je suis fatiguée. Tous les jours, blablabla. Hein? Je veux juste un environnement calme. Pour éduquer notre enfant. Mais nous pouvons toujours éduquer nos enfants avec Nina, c'est très possible. Et je réponds non. Non, cela n'arrivera pas. Écoute, je t'ai demandé de l'épouser. Et je te demande maintenant de la faire partir. Ha! J'ai l'eau dans la bouche, fais-la partir. Chérie, bonjour. Mon cœur, je t'ai salué. Je t'ai entendu. Qu'est-ce que tu prépares? Je fais le petit déjeuner pour ma femme. Ok, laisse-moi faire. Non. C'est un repas spécial. Elle a dit qu'elle veut manger mon mayoka. Et je veux le préparer à son goût. Ok, je t'ai attendu la nuit dernière dans ma chambre, mais tu n'es pas venu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La nouvelle peut attendre. Mon cœur, c'est une surprise. Je déteste les surprises. Est-ce que tout va bien? Laisse-moi un peu tranquille. Tu me déranges trop ce matin. Tu perturbes ma paix, s'il te plaît. Laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Tu peux pas dire à ton mari et à ta co-épouse que tu es enceinte. Je ne veux juste pas leur dire. Je n'ai pas envie de faire du bruit au sujet de cette grossesse. Je veux qu'ils la voient sortir. Et aussi, je veux surtout que cette femme ferme sa bouche. Moi, à ta place, je leur dirai. Moi, je ne veux pas leur dire. J'espère que ton mari ne sera pas fâché. Pourquoi? Pourquoi va-t-il se fâcher? Je voulais lui en faire une surprise, mais il ne sera pas content. Ok, si tu le dis. Mais tu sais, ton mari est quelqu'un de bien. Il est mieux que ton mari à toi? T'as même pas Dieu. Je croyais que tu voyais clair. Si tu avais une idée de ce que je vis, tu aurais vraiment eu pitié de moi. T'es pas sérieuse, tu parles de pitié? Bonsoir, ma tante. Comment allez-vous? Attends. Que viens-tu juste de dire? Je demande comment est-ce que vous allez. Nous allons. Qui ça, nous? Notre petit là-dedans.
Alors... comment est-ce que tu es au courant de ça? Parce que je suis extrêmement sûre que mon mari ne t'a rien dit. J'ai des yeux. Nena. Qu'est-ce que tu sais? Je sais ce que je dois savoir. Ah. Qu'est-ce que tu entends par... Tu entends quoi par... Tu sais ce que tu dois savoir? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est âgé de 7 semaines, n'est-ce pas? Et notre mari n'était pas dans les parages il y a 7 semaines. Qu'est-ce que... En fait, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne comprends rien de ce que tu viens de dire à l'instant. Ok. Je vois. Qu'est-ce qui est ok? Et qu'est-ce que tu vois? Hein? Écoute-moi. Je ne veux aucune forme de commérage. Parce que ce que tu as commencé à raconter et que je ne comprends pas, je ne veux pas de ça. Tu as déjà assez de défauts comme ça. N'ajoute pas encore le commérage. Ma tante, pourquoi t'agites-tu de la sorte? J'ai dit je vois, ok. Qui s'agite? Qui s'agite? Et qu'est-ce que tu veux dire par... notre mari n'était pas là il y a 7 semaines. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as mangé il y a 7 semaines? Ou alors, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as porté il y a 7 semaines? Écoute, je ne veux pas ce genre de commérage inutile. Est-ce que tu m'entends? Ah, c'est comme ça que les gens s'en vont raconter des histoires qu'ils ne connaissent pas. Ils sont là pour raconter n'importe quoi partout. Et les gens vont commencer à les croire. Irima. Hey, Timou. Hey, ce n'est pas possible. C'est confirmé. Cette fille est une sorcière. Hey, en tout cas, je vais tout nier en bloc jusqu'à la dernière minute. Elle me connaît mal. Attends, Nena, je ne comprends pas. Reviens ici, je n'ai pas encore fini avec toi. Bien. Où est cette... Toi, qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de mon mari? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de mon mari? Mais qu'est-ce que tu me veux à la fin? Ne t'ai-je pas averti? Ne t'ai-je pas prévenu de ne plus jamais entrer dans la chambre de mon mari? Ne l'ai-je pas fait? Hey, écoute-moi bien. Tu vois ceci? Je ne vais pas le supporter. Ce comportement, je ne le tolérerai pas de toi. N'ose même pas m'ignorer. Tu m'entends? Ne m'ignore pas comme si je n'entendais pas ce que je suis en train de dire. Ma tante, je t'ai entendu. Mais j'y étais juste pour déposer ses habits. Mais où est le problème si j'entre dans la chambre de mon mari? Attends. Oh, tu as grandi. Tu as grandi. Maintenant, tu parles quand je parle. Hein? Alors maintenant tu me réponds. Et tu as même le culot de me poser des questions en plus de cela. La faute te tuera. Que le tonnerre te foudroie. Tu es vraiment stupide. Ma tante, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? Écoute ma chère, ne reste pas là à me poser des questions inutiles. Je ne suis pas ton professeur. Hein? N'entre plus dans la chambre de mon mari. N'y entre plus à moins d'avoir été invité. Je ne veux pas qu'on se bagarre. Je ne veux pas qu'on se bagarre. Je ne veux pas qu'on se bagarre. Ma tante, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux te battre avec moi? Non, dis-le-moi maintenant. Tu veux te battre avec moi? Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Tu veux te battre avec moi? Ma tante, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que c'est?
Donc, tu es une femme. Donc, c'est ça. Tu veux te battre. Non, viens. Tu es une femme. Tu as grandi. Alors, viens te battre. Tu te compares à moi comme nous partageons mon mari. Donc, tu veux... Viens te battre. Ma tante, je ne veux pas me battre avec toi. Oui, je suis une femme, mais je ne suis pas une femme stupide. Eh oh. Tu as dit stupide? Attel, m'as-tu traité de stupide? Reviens ici! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Alors, comment partage mon mari, tu as maintenant l'audace de me répondre. Tu te compares à moi. Nous sommes maintenant des camarades. Que le tonnerre te foudroie. Ma tante! Que le tonnerre te foudroie. Que le tonnerre te foudroie. Si je t'attrape, reviens ici! Reviens ici! Nena! Nena! Tu es devenue folle? Comment oses-tu frapper et insulter ma femme? Comment oses-tu? Moi? Hein? Je n'ai pas frappé ni insulté ta femme, je t'assure. Regardez-moi cette petite idiote. Viens ici. Tu regardes-moi cette petite idiote. Regardez-moi cette petite idiote. Petite idiote, laisse-moi te poser. Laisse-moi te poser une question. Je te le demande. Es-tu venu me guérir? Ou alors te faire soigner? Dis-moi. Parce que je t'ai fait venir ici pour me donner un enfant. Mais même un œuf, tu n'as pas pu pondre. Mais tu as l'audace de frapper et d'insulter ma femme. Hein? Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas insulté femme ta femme. Ah! Je n'ai pas insulté ta femme. Ouais. Je ne l'ai pas fait. Tais-toi. Je ne l'ai pas fait. Tais-toi. Tais-toi. Elle a eu de la chance de ne pas être morte de saignement. Honnêtement, je n'ai jamais vu une telle fosse rouge de toute ma vie. C'était vraiment terrible. Mais Dieu merci, elle a survécu. Mais pourquoi son mari l'a autant battue, sachant pertinemment qu'elle était enceinte? Docteur, je ne saurais quoi dire. Je suis à court de mots. Cet homme doit vraiment être monstre. C'est d'accord. Je reviendrai bientôt, ok? Restez juste calme et prenez bien soin de vous. On est d'accord? Merci, docteur. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Opara. Voilà ce que tu as fait à ma fille. C'est de cette manière-là que tu la remercies. C'est d'accord. Sans problème.
suis tellement désolé. J'ignorais qu'elle était enceinte. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Par pitié, pardonne-moi. Mon mari, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Hmm? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Ne te tue pas, oh! Hein? Ne te tue pas. Tu m'entends? Ce n'est rien. Je l'ai arraché à la vie. Ah, bah non. Son sang est sur ma tête. Tu ne le vois pas? Jamais. Je ne te laisserai pas dire ça. Bah non. Tu n'as arraché la vie de personne. Cet enfant n'était pas censé être. Il n'était pas censé être en vie. Et c'est comme ça. Ah, non. C'est de ma faute. Comment est-ce que je vais affronter Nena? Ce n'est pas de ta faute. Oui, je l'ai dit. Ce n'est pas de ta faute. Si tu demandes mon avis, je te dirai avec pleine autorité que ce n'est pas de ta faute. Arrête de te blâmer. C'était un accident. Là, tu fais de plein gré. C'était un accident. Un honnête accident. Tu ne vas pas te tuer à cause de ça. Que diront les gens? Hey! S'il te plaît, laisse les gens. Les gens diront toujours ce qu'ils ont envie de dire, peu importe ce que tu fais. Laisse-les. Laisse-les parler. Hein? Écoute. Viens manger avec moi. Viens manger avec moi et oublie tous ces trucs inutiles. Rappelle-toi juste que je serai toujours de ton côté. Tu comprends? Et le plus important, je te donnerai un petit garçon. Mm-hmm. Oui, je te donnerai un petit garçon. Alors, maintenant oublie tous les autres. Oublie Nena. Oublie-les tous. Hein? Tout ira bien. Je te donnerai ce dont tu as besoin. Tu comprends? Ça va aller. Tout ira bien. Je peux le ressentir dans mon cœur. Ça va aller. Hmm? Je reviendrai vous voir plus tard. Merci infiniment. De rien. Merci. Mon fils, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Ok, à plus tard. Merci. Nena, c'est un homme bon. Il a aussi la crainte de Dieu. Ce sont des hommes comme ça qu'il faut avoir. Papa, allons, entrons. Thank you.
Papa, bienvenue. Nina. Papa. Tu es encore dans cet état? Papa, ça fait 3 mois et il n'est pas venu me voir. Tu ne devrais pas être là toute seule. Papa, tu penses vraiment qu'il viendra me chercher, hein? Non. Je t'ai dit d'oublier cet homme. Quelqu'un de très jeune viendra. Papa, ne dis pas ça. Je ne veux pas d'une autre personne. C'est mon mari. Je suis tombée amoureuse de lui. Je ne veux personne d'autre. S'il te plaît, ne redis plus cela. Ne le redis plus. C'est d'accord, ok? Hein? C'est d'accord. Va à l'intérieur. Viens, viens. Papa, vas-y, j'arrive. J'ai besoin de prendre un peu d'air. C'est d'accord. Depuis 2 jours maintenant. Quel est le problème? Que devons-nous faire? C'est exactement la raison pour laquelle j'ai fait appel à vous. Afin que vous signiez quelques papiers pour effectuer la césarienne. Dieu de miséricorde. C'est déjà à ce niveau? J'ai bien peur que ce soit la seule solution. À moins que vous ne vouliez la conduire dans un autre hôpital. Oh, Seigneur. Bien. Si c'est la seule solution pour sauver sa vie, qui suis-je pour dire non? Alors, on est d'accord. Infirmière, donnez-lui les papiers qu'il faut pour l'opération. Infirmière, dites-moi quelles sont les nouvelles. Patientez, le docteur sera bientôt là. Oui, monsieur. D'accord. Docteur. Oui. Alors, comment va-t-elle? Elle a survécu. Mais j'ai bien peur qu'il y ait des complications. Quel genre de complications? Oui. Elle ne sera plus capable de concevoir. Il y a eu un problème avec l'opération. Mais ça va, ne vous inquiétez pas, monsieur. Néanmoins, vous avez une magnifique petite fille maintenant. Petite fille? Oui. Une petite fille. Vous pouvez, si vous le voulez, aller les voir. Ok. C'est une fille. Tout va bien, monsieur? Oui, oui, tout va bien, docteur. C'est une fille. Beau-père. Qui est ton beau-père? Que viens-tu faire dans ma maison? Beau-père, je sais que tu as le droit d'être fâché. Biko, je suis conscient de mon erreur maintenant et je suis venu pour reprendre ma femme, s'il te plaît. Quelle femme? Pour ton information, Nina s'est mariée. Elle est maintenant mariée à un homme qui connaît sa valeur.
Arrête, arrête, beau-père. Tu sais bien que ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Ah, est-ce qu'on boit du thé dans un papier? Arrête. Non, 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 beau-père, ce n'est pas vrai, Biko. Tous les mêmes. Tu perds ton temps en te tenant là. Beau-père, s'il te plaît, je suis juste ici pour prendre ma femme. Je suis ici pour prendre ma femme, beau-père, s'il te plaît. S'il te plaît, je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Je jure, je ne savais pas ça. Je ne savais pas. Même si elle ne l'était pas, devrais-tu frapper une femme? Ça n'arrivera plus, beau-père, s'il te plaît. Dis-moi une chose. Pourquoi n'es-tu pas venu depuis tout ce temps? Le prends pas ainsi, beau-père. Ça n'arrivera plus, s'il te plaît. Beau-père, s'il te plaît. Hein? Beau-père. Beau-père, je ne partirai pas d'ici sans avoir vu ma femme. Je ne partirai pas. Ah, bah non. Je ne partirai pas d'ici. Va juste et ramène-moi ma femme. Ramène-moi ma femme au... Mbano. Biko, je ne partirai pas d'ici au... Ah. Beau-père Osakwe, s'il te plaît. Nina, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé, s'il te plaît. S'il te plaît. Je t'en supplie, s'il te plaît. S'il te plaît, mon amour, pardonne-moi, je suis désolé, s'il te plaît. Nina, tu me déçois. Papa, c'est mon mari. Hein? Tu aurais dû au moins le punir. Je l'ai suffisamment puni. 7 mois sans lui. J'ai essayé. Regarde-moi sa bouche. Blablabla. 7 mois. J'ai essayé. Toi. N'importe quoi. Réussi à ensorceler mon mari. Tu l'as ensorcelé. Pas de problème. Bien joué. Salue-moi, tu as réussi. Et toi? Tu m'as laissé avec ton enfant à l'hôpital pendant 2 semaines. Sans visite. Pendant 2 semaines. À cause d'elle. Tu es méchant. Tu es vraiment méchant. Mais ne t'en fais pas, hein? Il n'y a pas de paix pour les méchants. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Je suis là. Et je suis en vie. Je sais que tu l'as fait parce que tu pensais que j'allais mourir à l'hôpital. Bah non. Malheureusement, je suis là. Honte à vous. N'importe quoi. Bienvenue, ma tante. Arrête-moi ça très vite. Que la faute te foudroie. Bienvenue, mon œil. Comme je l'ai dit, il n'y a point de repos pour les méchants. Je suis là. J'en finirai avec vous. Bienvenue toi-même. Méchante chose. Non, ne vous en faites pas. Il n'y a point de repos pour les méchants. S'il vous plaît,
Vivons dans la paix, s'il vous plaît. S'il te plaît. Ma tante. S'il te plaît. Si je t'ai offensé d'une manière ou d'une autre, s'il te plaît. Pardonne-moi, s'il te plaît. Hein? Soyons unis et prenons soin du miracle. Elle mérite nos soins et notre amour. S'il vous plaît. Oui, je suis content que quelqu'un ait eu le courage de faire ceci. Et je fais la promesse que nous vivrons en paix. Hmm? Dans la paix. Ma tante, tu ne dis rien? Je n'ai absolument rien à dire. Regina, tu dois parler, même si tu dis seulement un petit truc. Tu dois dire quelque chose, même si c'est peu. Je dirai quelque chose. Le moment venu. Hey, cette femme a vraiment un cœur de pierre. Regina, s'il te plaît. Nous devons arrêter tout ceci, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Arrêtez quoi? Non, dis-moi, arrêtez quoi? Il y a quoi arrêter? Regarde-toi. Depuis près de 2 semaines, tu n'as même pas touché à ton enfant. Et tu es là à me prêcher la paix. Tout va bien chez toi? Écoute, hein? Le seul moyen pour qu'il y ait la paix dans cette maison, c'est si tu renvoies cette fille dans la maison de son père. Arrête, Regina. Ne parle pas comme ça. Tu sais que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et en plus, elle est enceinte. Elle est enceinte? Elle est enceinte. Et alors? Et tu penses que tu es le père? Tu penses que tu es le père? Et honte à toi. Honte à toi. En fait, hein, tu me dégoûtes. En fait, quand je te regarde, j'ai juste envie de vomir. La polygamie t'a rendu faible. Et tu ne réfléchis même plus. Comment peux-tu être si aveugle? Tu penses que tu es responsable de sa grossesse? Je ne comprends pas du tout de quoi est-ce que tu parles. Non, ne t'en fais pas. Quand le moment viendra, tu comprendras. Mais en même temps, hein, tiens-toi prêt. Croise les bras, hein? Croise-les bien fort. Et regarde l'emmener le sang d'un autre homme dans ta maison. Regarde-toi. Tu penses que tu es le père. Honte à toi. Honte. Quelle honte. Tu n'as encore rien vu. Aïe! Bam. Tu n'as encore rien vu. Rien du tout. Nena, qui est l'auteur de cette grossesse que tu portes? Hein? Je ne comprends pas. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Maman, mon Dieu! M'accuserais-tu d'infidélité? Hey! Nena, je ne suis pas là pour échanger des mots avec toi. Oh, elle t'a demandé de venir me frapper à nouveau. Tu vas aussi me faire perdre ce bébé. Hein? Nena, qui est l'auteur de cette grossesse? Hein? Allons faire un test ADN demain. Nena, qui t'a mise enceinte? Je n'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie.
Comment est-ce que tu as pu me rendre aussi stupide? S'il te plaît, arrête de me crier dessus. Écoute, hein, il y a quelque chose de louche. Emmène-la dans un autre hôpital. Ou alors, voir un autre docteur. Je sais de quoi je parle. Sottise. Sottise. Tu veux juste me tromper pour que je la mette hors d'ici. N'est-ce pas? Ton plan a échoué. Hein? Ton plan a échoué. Regarde-toi. Ça, c'est même quel genre de femme, ça. Tu devrais avoir dégage. Honte de toi. Dégage. Je te dis que ce n'est pas regardez, ton enfant. Regardez-moi comment elle est. Va t'asseoir. Ah, dégage. Emmène-la dans un autre hôpital. Non, tu es tellement désespéré d'avoir un enfant que tu ne te soucies même pas de savoir si c'est le tien. N'importe quoi. Hey. Mais comment est-ce que cette fille est tombée enceinte? Hein? Aïe. Ça va? Pourquoi n'as-tu pas dit à ton mari que j'ai dit qu'il oublie pour l'argent? Pourquoi devrais-je lui dire cela? Hein? Pourquoi devrais-je lui dire cela? Ok, ça va, calme-toi. Pourquoi est-ce que tu m'évites? Moi? Ouais. Éviter... Ouais, moi. Que je t'évite? Étions-nous amis? Non, je te le demande. Avions-nous déjà été amis? Non, nous ne sommes pas des amis. Mais est-ce que j'ai fait peur, toi? Ni ton ami, ni ton mari n'ont été capables de le faire. Alors, quoi d'autre ferait de nous des amis? Attends. Je veux savoir quand est-ce qu'on se revoit. Qu'est-ce que tu as dit? Quand est-ce qu'on se revoit? Écoute, c'est comme si tu oublies toujours que je suis une femme mariée. Je suis mariée. Et quoi que ce soit qu'il y ait eu entre nous, c'était une erreur. Et fais-moi confiance, ça ne se reproduira plus jamais. Ne m'interpelle plus jamais en route. Vraiment? Non, t'es sérieuse? Ingrate arrogante. On n'appelle pas une telle chose erreur. C'était une faveur et du plaisir en même temps. Je voulais te montrer que cette femme que tu appelles ton mari ne peut absolument rien faire. Et tu me parles d'erreur. T'as pas apprécié? T'en fais pas. Je comprends que t'es en train de faire tes charabias. Tes charabias, je vais t'avoir. Félicitations, monsieur Okpara. C'est un garçon. Un garçon. Oui, monsieur. Merci. Vous devez remercier Dieu, pas moi. Merci, Seigneur. Remerciez Dieu, monsieur. Alors, je suis père. Vous êtes père. À tout de suite, monsieur.
Je suis tellement heureux. Je ne sais même pas comment te remercier. Hey. Nous devrions remercier Dieu. Bien sûr. Tu sais, s'il était possible pour moi de crier sur les toits, hein, je le ferais absolument sur tous les toits. Alors maintenant, je suis un papa, je suis le père d'un garçon. Hey. Alors, quel nom allons-nous lui donner? Nous l'appellerons Obiacholo. Hmm? J'aime vraiment beaucoup ce nom. Oh Seigneur. Oh. Merci. Oh. Hey. Et où elle est? Ce n'est pas facile. Ah. Okpara. Je suis enfin sorti de l'association des sans-enfants. Je suis à présent un père. Je peux maintenant parler où les papas parlent. Et c'est pour cela que je ne cesse de conseiller tous ces jeunes hommes. Si tu veux te marier, marie-toi avec une femme qui a un gros derrière. Elles sont très fécondes, comme ma nouvelle femme. Comme ça, quand viendra le pire, tu pourras te consoler là derrière. Et quand tu l'auras fait, tu auras un fils. Mon frère, hein? Tu vois, quel que soit ce que tu veux manger, hein? Mmh. Il y en a à la maison. De quoi? Mmh. Quel que soit ce que tu veux boire, il y en a. Je finirai d'abord ceci. Hein? Oui, il y en a. Alors, cela signifie pas. Quand j'en aurai fini avec ceci, oui, j'en ai d'autres qui m'attendent. Oh. Tu as tout compris. Hein? Je me suis préparé pour toi. Mon frère, maintenant, je veux quelqu'un qui viendra me dire que je ne dormirai pas chez toi aujourd'hui. En fait, j'ai tout l'espace. Regarde ma concession. Oui. Si ceci ne te suffit pas, il y a ma maison. Hein? Mon frère. Mon cher. Je vais finir toutes ces boissons aujourd'hui et je dormirai à cet endroit. Et tout le monde le saura. Sens-toi libre, sens-toi libre, mon frère, sens-toi libre. Nous sommes des amis de longue date. Où est cet homme stupide? Où est ce mari stupide qui est le mien? Ce n'est vraiment pas croyable. Où est cet homme? Hé, regardez. Regardez-moi ça. Regardez-le. Homme paresseux. Cet homme va me tuer. C'est donc ce que tu fais ici. Tu veux me faire honte? Je vais te montrer. Lève-toi. Lève-toi de là. Je te jure, je vais te tuer. Je vais te tuer. Ici. Hé, hey, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Hé, hey, hey. J'ai envie de tuer ton mari. Hé, hey, ne sais même pas. Hein? C'est toi celui qui veut tuer mon mari. Oui, tu veux tuer mon mari avec la boisson. Tu l'invites pour célébrer parce que tu as donné naissance à qui? À qui as-tu donné naissance? N'importe quoi. Va-tu fermer ce bidet que tu appelles bouche? Et si je ne la ferme pas, que tu la fermerai pour toi. Ah, tout ce que tu peux faire, c'est bavarder. Mais tu ne peux absolument rien faire. Mon cher, si on demande aux hommes de sortir, tu sortiras? Tu ferais mieux d'aller demander à ta femme qui l'a mise enceinte. Parce que ce n'est pas toi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Arrête de faire semblant. Miracle, est-elle ton enfant? Miracle, est-elle ton enfant? Libère mon chemin, s'il te plaît. Et toi, on y va. Hein? Viens, on s'en va. On s'en va. Lève-toi. 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 Tu me fais honte. Chaque jour, en train de boire. Avance. Avance. Regardez-le. Regardez celui-là. Regina. 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 Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est tout ça? Hein?
Regina, pourquoi as-tu fait ça? Regina... Regina... Oh, oh Seigneur... Regina, pourquoi? Pourquoi as-tu fait cela? Regina... Regina, jusqu'à ce point... Jusqu'à ce point, Regina... Oh, mon Dieu... Oh mon Dieu, aide-moi. Regina, pourquoi tu as fait ça? Regina, pourquoi tu as fait ça?